Bonjour bande de noobs. Dans la vidéo précédente on a vu que jouer à plusieurs permettait de s'amuser et de carry in game, j'ai donc réuni une équipe de 6 personnes. Oui 6. Si un poisson, un singe et d'autres animaux sont des champions alors pourquoi un cochon n'en est pas un? On ne dirait pas comme ça, mais les cochons ont un odorat très développé. Ils vous indiquent la direction des ennemis. Il ne vous reste plus qu'à les tuer dans leur propre jungle. L'équipe adverse pense désormais que vous allez devoir retourner à la base parce que vous n'avez plus de PV. Dommage pour cette Lulu. Une fois que la petite fée de la forêt est morte, prenez du temps pour acheter du stuff, mais faites très attention car certains noobs essayeront de vous tuer car vous êtes un AFK. Faites semblant de fuir le temps que votre équipe vienne vous aider à le tuer. Une fois de plus nous sommes tombés sur DFR. Connaissant notre réputation, il nous fallait donc passer au plan B, les faire rager. Nous avons donc engagé le dialogue. Une fois le dialogue établi, ils vont vouloir vous tuer par tous les moyens possibles. Le seul problème, c'est qu'ils sont nuls et n'arrivent donc pas à vous tuer. C'était clairement volontaire. Est-ce qu'un caillou peut tuer un cochon? Non. Quel est le point commun entre un homme avec une pique, une fée des bois, et un caillou? Ils meurent tous quand un sanglier arrive. Est-ce qu'une femme peut tuer un cochon? Bon d'accord, pour cette fois c'est pas toujours vrai. Il est très important d'aider ses alliés surtout sur les buffs, alors tuez-le pour le sécuriser. Et si votre allié se plaint, dites que c'est juste un lag. C'était évidemment un lag. Maintenant que vous avez appris toute sa technique, vous êtes prêt à faire un pentakill. Parce que c'est Juani et l'alpha, l'oméga, le début et la fin, rien ne peut vous tuer.
Si vous regardez ceci, sachez que je vous aime, et on reviendra bientôt pour un nouveau troll tutoriel sur LOL.